So now, I'm gonna beat the holy hell out of one of you. This is Lucille, and she is awesome. Salut à tous les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo un petit peu particulière, hein. Je vais faire un petit unboxing, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Autrement dit, je vais ouvrir un colis que j'ai reçu et qui comporte un objet spécial de la série The Walking Dead. Alors bien évidemment c'est quelque chose que j'ai commandé sur internet, hein. C'est pas quelque chose que j'ai eu gratuitement bien évidemment, pour tous ceux qui se poseraient la question. Et dans la description de la vidéo, hein, si pour ceux que ça intéresse, je mettrai bien entendu les liens pour se procurer cet objet. Alors cet objet, quel est-il? Bon, je pense que vous avez une petite idée maintenant de ce que c'est. Et ceci, alors attention parce que le coup, c'est assez grand. C'est-à-dire que c'est tellement grand que vous ne le voyez même pas dans tout l'écran. Voilà, donc si je le tourne, vous voyez que c'est assez conséquent. C'est assez lourd, donc je pense pas que ça soit en plastique. Donc ce que je vous propose, c'est de l'ouvrir. Et puis on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je vous avoue que je suis assez curieux de voir le truc dans mes mains. Bon allez, on va pas vous faire attendre plus que ça. On va déballer la bête. Ben voilà, on y est. Alors le truc c'est qu'il y a beaucoup de scotch. Il va falloir que je trouve quelque chose pour l'ouvrir. Ah bougez pas. Suspense, suspense. Ça a l'air super grand. Ah, voilà la bête. C'est assez stylé. Alors je vais vous le rapprocher, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est pour que vous voyez à peu près la taille, quoi. C'est vraiment, je pense, à taille réelle. Je vais regarder un petit peu si on a la description du truc. Alors je vais me rapprocher un peu. Enfin, ça, je sais pas ce que c'est. Ça doit être la facture ou un truc comme ça. Ah mais c'est en fait la boutique. Donc là, pour ceux que ça intéresse, donc ça c'est la boutique sur lequel vous pouvez vous procurer donc cet objet, hein, et bien d'autres trucs, hein, bien évidemment. Et derrière nous avons le site. Voilà, vous avez tout, hein, si vous voulez noter. Voilà, vous avez le Snap, vous avez le Insta, le Facebook. Et puis vous avez le numéro de téléphone, l'adresse mail. Bref, vous avez tout, je vous mettrai tout dans la description de la vidéo, vous inquiétez pas. S'il y en a qui ça intéresse, vous allez voir un peu ce qu'ils proposent. Donc là, on va sortir ce truc. C'est assez lourd, hein. Ah, il y a écrit un truc dessus. Il y a écrit « Ceci n'est pas un jouet ». Il y a écrit « Ceci n'est pas un jouet ». C'est pour vous dire, hein, à quel point c'est vraiment certainement bien représenté. Eh ben dis donc, ça peut galère à sortir ça. Voilà. Je suis en train de me demander si c'est en bois ou pas. J'arrive pas à vous dire si c'est en bois ou en plastique. C'est que ça pèse, hein. Ça paraît pas comme ça, mais ça pèse son poids. Donc voilà, je vous la montre à l'écran. Donc c'est une batte, on va dire. Alors ça, regardez bien. Il y a écrit « Ceci n'est pas un jouet ». C'est assez marrant. Donc on va la présenter comme ça. Donc c'est la batte, on va dire, ensanglantée. Donc on va dire excusez-moi, hein, c'est parce que je parle devant la caméra, mais donc c'est la batte ensanglantée qui serait donc une représentation de la batte de baseball
après que Negan ait tapé avec quoi, vous voyez. Il y a genre du faux sang dessus. Tout ça, c'est du sang, hein. Il y a les, bon, le barbelé, forcément. Et je crois qu'il y a, les empreintes de pouces, de doigts. Je crois qu'on les voyait. Ouais, c'est ici, là. Je sais pas si vous les voyez. Juste là, là. Enfin, bref, c'est assez stylé. Et... Ah, attendez. Je crois que c'est du plastique. C'est un plastique plein, quoi. Ouais, c'est pas du vrai bois. Bon, cela dit, je pense que tu peux quand même faire, faire mal avec, hein. On va pas se le cacher. Ça a l'air d'être assez violent. Alors, le barbelé lui-même, c'est une sorte de caoutchouc. Bien évidemment. Alors, ça, je vais l'enlever parce que ça m'énerve. Et puis, puis voilà, quoi. Je suis Negan. Et toi, qui es-tu? Who are you? Voilà les amis, donc tout ce que je peux vous dire pour cette petite unboxing. Donc, alors bien évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, tous les liens pour avoir ce magnifique objet sera bien entendu dans la description de la vidéo. Je remercie Machu de la chaîne Hades pour m'avoir incité à dépenser de l'argent là-dedans. Voilà. Donc merci à lui. Donc voilà, merci à lui, merci beaucoup. Alors bien entendu, n'oubliez pas que Walking Dead, la saison 9, arrive dans 2 mois. Je serai bien entendu présent pour vous faire des vidéos réactions en espérant que je ne rencontre pas les mêmes difficultés de mise en ligne que par rapport au trailer, hein, pour ceux qui ont suivi mes vidéos. Alors voilà, je commence petit à petit à me faire une petite collection Walking Dead. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais bien entendu vous faire une vidéo de présentation pour vous montrer un peu tout ce que j'ai comme accessoires, comme bouquins, comme tout ce que vous voulez sur Walking Dead. J'ai pas grand chose, mais voilà, petit à petit ça grimpe. Mais on va dire que petit à petit ça grimpe. Donc voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne, ne vous inquiétez pas. Alors on se retrouve hein, bien entendu très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne, peut-être en live sur Walking Dead. C'est normalement c'est prévu, normalement c'est prévu, je peux pas vous donner de date. Donc dès que j'ai plus d'informations à vous donner, je vous les donnerai, ne vous inquiétez pas. You are it. Ah, je plaisante, bien évidemment. On va pas massacrer le chat. Du moins, pas de suite. Voilà, les amis, je vais vous laisser pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Donc, n'oubliez pas que si la chaîne vous intéresse, vous pouvez toujours vous abonner, partager, liker les vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Snapchat et j'en passe, c'est les meilleurs. Et vous pouvez, bien entendu, activer la cloche des notifications pour ne rater qu'une prochaine sortie vidéo sur la chaîne. Voilà, voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Lucille? Hélas, pauvre Lucille. Je l'ai bien connu, Horatio. Être ou ne pas être, chère Lucille. Telle est la question. Et bien entendu, je rappelle à tous ceux qui ne souhaiteraient pas s'abonner à la chaîne ou qui mettraient des dislikes. Vous savez ce qui vous attend. Mine and 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 mine